parenthèse dans une vie rangée. Un bémol ou un dièse sur la gamme accordée. C'est l'éternelle envie de plaire dans les yeux clairs de Virginie. C'est le regard froissé de Paul sur son tout joli paradis. Ça se conjugue à l'imparfait. Déjà l'adieu est consumé. Ça ressemble à Monsieur Flaubert par la faute d'Emma Bovary. C'est un jardin secret envahi de désir. Un rendez-vous discret paresseux de plaisir. C'est un amour qui ne s'affiche que dans les plis d'un drap de lit. C'est un amour qui se déchiffre entre les murs de vieux lambris. Ça sent le neuf et la poussière dans cet hôtel en plein midi. Ça ressemble à Monsieur Voltaire par la grâce du Saint-Esprit. Pour une jolie voyelle, tu te ferais consonne. Pour un peu que résonne, c'est pas dans l'escalier. C'est pour passer la quarantaine dans l'alphabet des mots cachés que tu corriges ta dégaine lorsqu'il vient, qu'elle vient à passer. Ça se faufile en double fil. C'est beau amour cadenassé. Ça ressemble à Madame Duras dans l'Indochine. Pour voyager encore sur son corps endormi, tu livrerais au diable les clés du paradis. C'est une histoire à la ramasse sur le baldaquin de l'ennui. C'est l'autre qui fait la grimace de l'autre côté du grand lit. C'est un métier, le beau mensonge, comme au théâtre, la vérité. Ça ressemble à Madame Colette sous la signature de Willy. C'est une parenthèse dans une vie rangée. Un bémol ou un dièse sur la gamme accordée.